Mais où est-ce qu'on est ? C'est immense ! Et un peu lugubre, vous ne trouvez pas ? Qui peut habiter ici ? Hey, ce rugissement, ça vous rappelle rien ? Mais oui ! La bête ! On devrait aller voir ce qui se passe ! Là-bas ! Bonjour YouTube pour ce quatrième épisode, si je dis pas de bêtises, de l'aventure Kingdom Hearts 2 en français. Probablement peut-être un peu fort pour vos oreilles, avec cette son. Quel plaisir. C'est un de mes mondes préférés, je disais en off, le monde de la Belle et la Bête. Il est toujours très cool et puis c'est un Disney très très cool. Et puis avec Kingdom Hearts, il a quand même une petite aura, puisque c'est le monde par lequel on termine dans Kingdom Hearts 1 et un personnage qui devient récurrent du coup dans le 2. Donc c'est très très plaisant, les sans cœur, l'histoire de la rose éternelle et un petit peu de ce cœur qui va être recherché dans le jeu. Genre très plaisant. Oh non, c'est pas vrai! Tu tombes bien. Ça alors, on dirait qu'il se souvient plus de nous. Il doit avoir des problèmes, vu le nombre de son cœur. Ça fait pas de peine de tout pousser. Petit débat, comme ça à doigt levé. La bête, sous sa forme bestiale ou sa forme humaine ? Parce que moi, c'était une de mes plus grandes déceptions quand j'étais enfant. Elle est tellement plus stylée en forme bestiale que moi, je suis désolé. La forme bestiale est 10 fois plus stylée quand, à la fin du film... Il devient humain, c'est un scandale, c'est un braquage. Sardonyx, est-ce que... Ah, augmente l'attaque d'un point. Ah, on va commencer à pouvoir discuter niveau combo, ça c'est très très bien. Dingo, Turbo, on est pas mal. On va faire notre première sauvegarde du niveau. Ah, j'aurais dû aller voir... Le Mog. Ah oui, c'est vrai que Belle, il l'avait rencontrée aussi puisqu'elle faisait partie des princesses de cœur dans Kingdom Hearts 1. J'avais complètement oublié qu'ils savaient qu'ils étaient. C'est vrai que les princesses de cœur, pour moi, c'était pas non plus la quête la plus engageante de Kingdom Hearts. Chut ! Mais que vais-je faire ? Qui a ouvert la porte ? Oh,
Oh, je suis si contente de vous voir. Donald. Oh. Sora. Dingo. Bonjour. Repousse-moi. Repousse-moi. Oh. Oh. La vraie raison de la visite de Donald et Dingo et tout le monde, c'est que le monde était disponible et pas les autres. C'est littéralement ça. Hein. Bon, moi je vois déjà un coffre là que je viens de cacher ici qui nous donnera la map. Soyez prudent, on va taper des 100 cœurs. C'est parti. Ça doit être là. Avoir galéré, j'étais plus petit. Est-ce que c'est toujours le cas? Bon, sans l'enlever. Fusion vaillance. C'est terminé. Enfin non, je crois que ça a l'air d'aller. De toute façon, Sora, dès qu'il voit une porte, s'il y a une serrure, c'est qu'il peut faire un truc avec sa clé. Eh bien, j'avais peut-être pas tant galéré que ça quand j'étais enfant. Il n'y a personne ici. Oh ? Mais où sont les gens qu'on doit sauver ? Quelqu'un a dit sauver ? Hein ? Chut ! Pas un bruit. Ils sont peut-être méchants. Oh, ils ont l'air d'être de braves garçons. N'ayez pas peur, on est des gentils. Oui, Belle nous a envoyé vous libérer. Wow ! Moi, c'est Sora. Donald. Et Dingo. Rendez-vous, non. Mais en voilà des manières. Laissez-moi. Wow. Je n'aime pas être secoué. Tout le monde va bien? Très bien, maintenant que vous êtes là. Vous avez été victime d'un sort. Ça suffit. Arrêtez ça. Oh, vous êtes au courant. L'enchantresse nous a transformés. Tout ça remonte à si longtemps. C'était une froide nuit d'hiver. Une vieille mendiante est venue au manoir demandant un refuge pour la nuit. Mais le maître du château, je parle bien sûr du prince. Ça suffit, reposez-moi sur le champ. Merci. Finalement, l'histoire de la Belle et la Bête, c'est la Bête qui était de droite et qui doit devenir de gauche et se syndiquer. Voilà, voilà le résumé de ce Disney, si vous voulez. L'heure est venue de s'occuper de Belle. Elle complote pour prendre tout ce que tu possèdes. D'abord ce château, puis ta précieuse rose. Pour finir, elle volera ta vie. Ne te fie à personne, nourris ta colère. Seule ta rage te maintiendra fort.
Je me moque de la force. Je ne désire qu'une chose. Quoi donc ? Aimer et être aimé en retour ? Qui pourrait aimer une bête comme toi ? Tu vois, elle a des complices. Bonjour, prince. Oh, juste au ciel, maître. Mon membre de l'organisation préférée. Allons, maître. Attends, mais par contre, pitié. Réveille-toi. Alors, l'astuce, voilà, c'est de dire réveille-toi et après de le fracasser avec une clé de 400 kilos. Attends, on va le voir. Pitié ? Allons, maître ! Ok. Voyons, ah, est-ce qu'on peut faire ? Regardez, comme ça on se voit dans la cinématique. Ah non ! Merde ! Ah si, c'est bon. Comme ça on va voir dans la cinématique... Big Ben... Que s'est-il passé ? Ma foi, maître, voyez-vous, vous avez, comment dirais-je, Tu as oublié ? Mais c'est toi-même qui l'as fait chuter dans le donjon. J'ai fait ça ? Ma foi, oui. Qui était l'homme à qui tu parlais ? Le type en noir ? Xaldin. Ah, c'est son nom. Il est venu des ténèbres. Il s'est servi de ma colère pour me contrôler. Il s'est emparé de mon chagrin, de ma tristesse et de ma peine. Il les a transformés en rage. Je n'ai pas pu résister. Je ne voyais plus la vérité. Oh, je comprends. C'est sûrement pour ça que t'as enfermé tous tes amis dans le cachot. Tu voulais être certain de ne pas leur faire de mal, c'est ça ? Était-ce pour cela ? Pour les protéger ? Bien sûr, nous savons que tu es quelqu'un de bon. Il a raison, maître. Nous connaissons tous votre gentillesse. Belle voit la bonté dans votre cœur, mais j'ai peur que vous-même... Belle. Ah... Je l'ai maltraité. Je l'ai malmené. J'ai été si égoïste. Elle nous a pas parlé de ça ? Elle ne parlera jamais à personne de ma cruauté. Elle est trop bonne. Vous voyez, j'ai bien peur qu'il ne se juge avec trop de sévérité. Pourquoi ne pas aller lui parler ? Mais... Pas d'histoire ! Allez, en avant ! Nous venons avec toi ! Et du coup, merci Will, je suis content que ça te plaise. Y a quelqu'un qui a fini aussi le let's play de Xenogears qui m'a envoyé un... Enfin, qui m'a laissé un commentaire et qui a dit « Ah, merci pour toute l'aventure et tout ». Ça fait vraiment plaisir, la chaîne VOD, je la veux pas comme une chaîne qui va faire des vues et qui va faire un milliard de vues et tout, mais je la vois un peu comme un DLC, un bonus de ma chaîne principale, même si elle est extrêmement chronophage, ça me fait trop plaisir de monter des let's play et de les faire propres et tout pour les gens qui veulent découvrir le JRPG. C'est totalement l'objectif voulu. Du coup, merci beaucoup. Je sais plus si c'est le sans cœur ou le membre de l'organisation en fait. C'est le truc. Bon, ne me le dites pas, ça fera la surprise, mais je sais plus quelle partie c'est quoi. Je vous préviens, vous allez le regretter. Belle, où es-tu ? La bête ! Au secours ! Dans la salle de bal ! Belle ! Je vais bien ! Oh, wow ! Thank you.
c'est parti pour un boss qui n'est pas voilà, mon préféré de ce monde là, mais qui est vraiment très très cool. Par contre, faut que je me rappelle des patterns. Et là, on va pouvoir le taper. Voilà, c'était ça, la subtilité. En fait, je crois qu'il est pas très long, pas très compliqué. Et là, voilà, il hante la salle de... Okay. On fait sortir, et à chaque fois qu'on fait sortir, on le tape. Ok. C'est tout? Ah merci. Je m'en rappelais plus du tout de celui-là. Ah, je vais penser au boss de qu'il y avait dans le dans Tarzan, qui était invisible aussi. D'accord. Oh, et puis c'est quand même trop stylé la commande réaction. Avec la fusion, mais je pense que ça sera pas possible. Mais tout de même, on n'est pas loin. Enfin, il va nous faire une dernière fois le coup. Attention, la fin nulle. La fin un peu nulle quand même. Je n'en suis pas si sûr. Xaldin ! À bientôt. Oh. Que veut-il à la fin ? Il doit faire partie de l'organisation. Tu as entendu parler des simili ? Quand une personne au cœur généreux est transformée en sans-cœur, un simili est créé. Et l'organisation 13 manipule tous les simili. C'est vrai ! Elle voulait te transformer en sans-cœur pour créer un simili aussi fort que toi qu'elle pourrait contrôler. Vous allez bien ? Belle ! Belle ! Je regrette, je n'étais plus moi-même. J'espère que je ne t'ai pas fait de mal. Pardonne-moi. Je sais que tu n'étais plus toi-même. Tu n'as pas à t'excuser. Mais j'avais espéré que tu aurais un peu changé. J'aimerais que tu aies confiance en moi. Oh, j'ai bien peur que le temps nous manque. Qu'est-ce que tu dis? Vous vous souvenez de la rose? Dans la chambre de la bête? Précisément. Voyez-vous, si le maître apprend à aimer et à être aimé en retour avant que le dernier pétale ne tombe... Le charme sera rompu. C'est vrai? Vous croyez qu'il va réussir? Oui, nous le croyons. Oh, je pense que vous avez raison. Espérons-le.
Que s'est-il passé? Vous devez partir? Oui. Alors plus de disputes, d'accord? Hein? Ah. Nous y veillerons. Soyez prudents. Vous serez toujours les bienvenus. Si vous avez des informations sur Riku, le roi, les Sankers ou l'organisation, faites-le nous savoir, d'accord? Allez, on y va! Ne plus dépendre de Donald. Ah. C'est bizarre. On dirait que le vaisseau avance tout seul. Ah. Oui, on se dirige droit sur la forteresse oubliée. Drôle d'ambiance. Allons-y. Sapristi, sapristi, j'ai bien cru que vous ne reviendriez jamais. Oh, c'est vous qui nous avez appelés, Merlin. En effet, mais j'ai bien peur d'avoir employé trop d'énergie pour vous faire revenir et avec tous ces Sankers. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, figurez-vous qu'en faisant un peu de rangement, j'ai retrouvé ceci. Le livre de Winnie. Exact. Je ne sais pas grand-chose sur Winnie, l'ourson et ses amis. C'est pour ça que je vous ai appelé. Et c'est à ce moment-là que les Sankers m'ont attaqué. Je me suis défendu, évidemment, avec mes puissants sortilèges. Mais j'ai commencé à craindre que le livre ne soit endommagé. Alors je... Oh, oh, une minute. Autant que Léon et les autres écoutent cette histoire, je vais aller les chercher, excusez-moi. Vous croyez que Winnie va bien? Si on vient les voir. Bonne idée. Sora! Trouve une excuse, d'accord? Je me demande si Winnie est chez lui. Salut Winnie, ça va? Comment vont tes réserves de miel? Très bien. Mais pour le moment, je me prépare à faire ma gymnastique. Veux-tu participer, Sora? Bien sûr, ça marche. Hein? Ah! Rendez-nous Winnie l'ourson. Rendez-nous Winnie. Bon, le monde est dans un livre. C'est ça que j'aime beaucoup avec Kingdom Hearts, c'est que les mondes sont imbriqués les uns dans les autres un petit peu. C'est très métaphorique à chaque fois.
J'espère que ça va. Tu devrais peut-être retourner voir si Winnie n'a rien. Attends plus que bagarre. Oh, je trouverai bien une excuse. D'accord. Je suis content que tu ailles bien, Winnie. C'est gentil d'être venu, mais vois-tu, j'allais commencer ma gymnastique. Peut-être pourrions-nous discuter plus tard, garçon que je ne connais pas. Oh, d'accord. Et comment va Porcinet ? Je ne connais personne qui s'appelle comme ça. Oh, excuse-moi, mais là, je dois me concentrer un peu. Winnie ? Hé hey, Winnie ! Il se passe quelque chose d'étrange ici. Je devrais peut-être retourner en parler à Merlin. C'est un petit peu un callback à Kingdom Hearts 1, puisqu'on avait ce qui s'était passé là, en setup de Kingdom Hearts 1 aussi. Voilà, on a une nouvelle quête, comme dans Kingdom Hearts 1, si vous n'avez pas connu, il y avait eu cette quête-là de recherche des pages manquantes du livre de Winnie l'ourson, et c'est une quête un petit peu, c'est un monde un petit peu en parallèle qu'on fait. Ah, et notre première invocation, je sais plus qui c'est. Ah, Chicken Little. Voilà pourquoi j'avais oublié. Voilà pourquoi j'avais oublié, c'est parce que c'est Chicken Little. Ah. Ah non, c'est juste pour... ok. C'était vraiment juste pour ça. Et le Colisée ? C'est pas ici ! Oh, on s'est un peu trompé. Ah ! Des sans cœur ! Merci, mais je vais bien. Et à qui ai-je l'honneur ? Je m'appelle Sora. Et je te présente Donald et Dingo. On est venu voir comment va Hercule. Vous connaissez Superman ? Tu veux dire des apprentis héros, Donald ? On dirait que nous avons un ami commun. Je suis Megara. Mes amis m'appellent Meg. Super mal, j'avais complètement oublié que c'était super mal. Aïe aïe aïe. Les sbires d'Hadès, incroyable. Très bon jeu Hadès. Le seul monde qui revient dans Kingdom Hearts 3. Le seul monde récurrent de Kingdom Hearts 3, jouable en tout cas, c'est celui d'Hercule. Re-sauvegarder, c'est la règle. Oui. Fuyez, sauvez-vous! Ouais?
On peut savoir d'où sortait ce débile à capuche? Ah ça, ce sont des enquiquineurs de première. Dis, qu'est-ce que tu comptes faire pour Hercule? Tous les combattants que tu lui envoies finissent en bouillie. Hein? Si ça continue, on va manquer de place aux enfers. C'est vrai, tu devrais lui choisir un adversaire déjà mort. Ça lui ferait gagner du temps, hein? Déjà mort? Ça, c'est une idée. Et j'ai l'homme qu'il nous faut. Moi aussi, j'ai peur, Donald. Montre-toi, Hadès. Mais qu'est-ce qu'il y a là au fond de... Le plus profond donjon des enfers. Cette fois, j'ai trouvé le plus féroce des criminels. Ah oui. Je vais devoir y aller. Bon, venons-en au fait. Je te propose un marché. Je te laisse sortir de ton cachot. Sans blague. Si je mens, je vais en enfer. En échange, tu me rends un service. Combat Hercule dans le Colisée jusqu'à la mort. C'est hors de question. Je décide seul de mon sort. Aurais-tu oublié à qui tu t'adresses? Je suis le seigneur des morts. Pas étonnant que personne ne veuille mourir. Tu es viré! Oh! Encore vous? Attention! Debout! Alors, comment le combat déjà, je sais plus. T'es cuit! Ça me t'es cuit. Ah oui, ok. T'es cuit! Je laisse pas mes trucs. T'es cuit! T'es cuit! Glacier? Tu veux. Oh, glacier! Je me sens tout bizarre. C'est normal. Tu vois, aux enfers, les héros sont des héros. C'est comme ça. On n'y peut rien. Partez! Mais on doit parler à Hadès! Qu'est-ce que c'est? On ne peut pas l'affronter ici. Il faut qu'on file. Vite! Ah, 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 ah. N'y compte pas trop. Hein? Oh! Vous partez déjà? T'es cuit! Si vous t'es cuit, vous allez l'entendre là. Ouais, j'ai vu que c'était autant. Hein. Pour moi, c'est Xenoblade, hein. Vraiment le jeu avec de libres dialogues répétés en boucle. Fucking dommage. Pitié? Qu'est-ce que te renvoyer? T'es cuit! Tu baisses les bras. On peut y aller là. Tu baisses les bras. Ah. Ok. Ok, c'est bon. T'es cuit. Ok, c'est bon là. Il en a encore un. C'est bon. Il y en a bientôt plus. Tu baisses les bras. Et on se casse. On s'en va. Oh. Oh. Ouh, t'es vraiment très fort. Est-ce que t'es un héros? Non, je ne suis pas un héros.
Rien qu'un. Quoi ? Auron. Hein ? C'est mon nom. Je suis Sora. Dago ! Nous étions peut-être destinés à nous rencontrer. Vous avez besoin d'un gardien ? Un gardien ? Non, c'est gentil, merci. J'ai des sans-cœur partout aux enfers, à présent. Alors, tu peux me laisser ces gringalets. Écoute, et continue à chercher comment transformer Hercule en sans-cœur. Ensuite, il sera à moi. Les enfers, c'est chez moi, espèce d'abruti. Je me chargerai de ça tout seul. Va, Cerbère. J'y arrive pas. Allez, ouvre-toi. Ça pourrait l'ouvrir? Oui, je crois bien. Allez pas laisser un mort mourir quand même. Le combat avec quand même. Bah, incroyable avec Sauron. Adieu. Je sais plus s'il faut faire tête par tête. Je crois que lui non. Adieu. Okay. Ce que j'aimais beaucoup avec Cerbère, c'est qu'en fait on pouvait monter dessus. Je sais pas, comme les boss avaient une physique modélisée, je pouvais pas le faire, mais je peux monter dessus et je trouvais ça trop chouette comme idée. Et ça donnait un petit côté un peu tu gérais le combat comme tu voulais. Allez, super mal. Tu pourrais faire l'école buissonnière, pour une fois. Ils sont tous venus me voir, retrouver leur héros. Je ne peux pas les décevoir. T'en fais pas, Meg. Ça va aller. Un héros n'a pas besoin de repos, n'est-ce pas ? Salut ! Sora, ne me laisse pas tomber. Ça fait penser d'ailleurs que un de mes dessins animés préférés quand j'étais petit, c'était le dessin animé. Et il y avait le dessin animé. Et il y avait même un crossover entre les deux dessins animés. C'était trop bien, parce que c'était la jeunesse d'Hercule et les aventures d'Aladin. C'est marrant dans ça. Or, c'est vraiment chouette. Je pense qu'on va être assez tout droit, même. Ouais, y'a un épisode crossover qui est très chouette. Non, seul. Si j'ai bien compris, la kiblette du sale gosse ouvre toutes les serrures. Oui, c'est ça. Tu as déjà entendu parler du méga colisée que nous avons ici aux enfers ? À côté, l'original ressemble à un vulgaire bac à sable. Alors c'est à cet endroit que nous mettrons un terme à l'énervante carrière d'Hercule. Le problème, c'est que Zeus l'a verrouillé. Oh. Oh. Bingo. Tout ce qu'on a à faire, c'est voler cette clé et ouvrir notre colisée.
Il y a juste un petit souci. Cette clé n'est pas ordinaire. Elle ne fonctionne pas avec n'importe qui et ce gamin n'est pas coopératif. C'est là que notre cher ami entre en scène. Sora, Donald, Dingo, depuis quand vous êtes là? Salut, Erk. Bonjour. Comment ça va? Vous êtes encore en mission? Oui, on cherche des amis et on élimine quelques sans-cœurs. Apprenti héros, toujours sur la brèche. Tu l'as dit. Alors, est-ce qu'on a retrouvé nos amis? Et alors, Megara sera manipulé vraisemblablement. Ah, la pierre anti-enfer qu'on peut emprunter comme un livre au CDI. Très pratique. Hé, hey, champion, comment tu te sens? Tu devrais te reposer pour le combat de demain. Personne ne paiera pour voir un héros lessivé. Capiche? N'oublie pas ce que je t'ai dit. C'est simple. La victoire se résume en deux mots. Pain, repas et repos. Hein? Mais qui voilà, nos apprentis héros. Tout va bien, Phil? C'est la super forme. Alors, comment ça va, les jeunes? Vous avez gagné vos galons de vrais héros? Je crois que vous n'y êtes pas encore. Quoi? Alors, quoi de neuf? La voix de Patrick Timsit, il me semble. Alors. Brise des pots, est-ce que c'est ce que tu veux faire? Non, mais c'est ce que le jeu veut que je fasse, alors bon. Il faut en faire 100, ok. Donc là, il faut y aller stratégique. Ce n'est pas très... voilà. Il faut que je vous propose du contenu chiant aussi, sinon vous y avez tué qu'à des bangers. Oh, enfin, on va rendre banger. La grosse orbe. C'est bon. Oh, ça donne des niveaux. Qu'est-ce que tu as, super mal? Tu te sens un peu flagada? Je croyais qu'être en super forme faisait partie des devoirs du héros, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, Hadès, il faut qu'on parle. Ah, je suis venu t'annoncer une chose plutôt désagréable. Il semble que ta chair est en... se soit égarée lors d'une balade aux enfers. Tu veux dire que tu l'as enlevée? Oh, peut-être, mais pourquoi s'embarrasser de détails? Non. Tu ne vas pas partir maintenant. Car aujourd'hui, tu as un combat très important contre l'effroyable, la sanguinaire Hydre. Et si tu n'es pas là, qui sait quel genre d'accident pourrait t'arriver? Des accidents provoqués, oui? Je l'ai dit, les détails n'intéressent personne. Tu n'es qu'un lâche. Tout le monde ne peut pas être un héros. Vous vous en chargez? Pas de problème, monsieur héros. Des apprentis héros, Donald. Occupe-toi de l'hydre, nous on se charge du reste. Je compte sur vous. Tu dois retrouver Meg. J'ai une révélation très importante à vous faire. Hercule et Anakin Skywalker sont doublés par la même personne en français. J'avais pas capté. Et c'est très bizarre. Quand même deux physiques très différents, deux intentions très différentes. J'avais dit qu'il était parti aux enfers. C'était vrai. Enkel, si tu veux
des nanars, tu peux jouer à Dragon Quest Infinity Strash. C'est un... Ouais, mais sans l'humour, malheureusement. C'est comme un nanar, mais sans le côté nanar. C'est juste mauvais, quoi. C'est si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça. C'est catastrophique. C'est vous ? Toi, tu es... Roxas ? Pardon ? Roxas ? Oh, je perds mon temps. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Voyons voir. Si le sujet ne réagit pas, une attitude offensive peut stimuler sa vraie nature latente. Bien ! Sauf que je n'ai aucune idée de ce que ça signifie. Toi, t'es bizarre ! Oh ! Mais c'est lui, le voleur ! Je te trouve très mal poli, toi. Danse, oh, danse ! Ah, avec la phrase signature. Personnage que nous ne connaissons pas pour l'instant, on n'a pas de... Pas le mot. Bon, ça va passer vite. C'est terminé ! Personnage qui sera beaucoup plus développé, je pense, un jour. On fait tourner des notes. Ça suffit. Un petit Zimpcone. Le Baker de... C'est vrai, hein, c'est... il ressemble. Hein. Et voilà. Roxas, on a besoin de toi. Il est gâteux, ce type. En avant, Meg est en danger. Il est presque. Ça, c'est ce que j'appelle une clé. Merci de votre aide. Et maintenant, amusez-vous bien. Sora, derrière toi. Vous avez oublié, vos pouvoirs ne marchent pas aux enfers. On va voir ça. À toi pour protéger Megara, ça nous va. Nous avons la pierre qui protège. Et... Non, ça, elle... Ah oui, pardon. Ah oui, pardon, les gens. Je touche. Et comment ça, à l'aide ? À l'aide de où ? Je ne fais pas taper. Il n'y a personne. C'est terrible, non ? À l'aide de où ? Quoi, à l'aide ? Ils sont trop nombreux. Allez-y.
Désolé, je suis en retard. Partez d'ici avec Meg. Je vous retrouve au Colisée. Et toi alors? Je vais montrer à ces clowns ce que c'est que de défier un vrai héros. Non, attendez! Donc... Sora, je ne peux pas l'abandonner. Il s'en sortira! Mais Mercule a ses limites. Il ne peut pas gagner éternellement. Ok, retournons l'aider. Ah bah bien, loin d'ici! J'ai vraiment bourré, hein. Comme un gredin. Cet endroit ne me plaît pas, finalement. Je m'occuperai de vous la prochaine fois. Oh ? Cette journée pourrait-elle être plus formidable? Cette fois, Supermal va être écrabouillé! C'est pas possible. Champion, t'es en vie? J'ai échoué. Ce n'est pas ta faute. Je n'ai protégé personne. Hadès a raison. Je ne suis qu'un raté. Hé, hey, champion! C'est pas comme ça que je t'ai appris à réagir! Superman... Phil a raison. C'est pas le moment de te laisser abattre. Tu parles d'un héros. Attends, je Ouais. Vous avez de la place pour un héros de plus? Viens aussi. On vient aussi, c'est pas open bar, hein. Si je dois sauver tout le monde, ça va pas, quoi. J'aime bien la moralité de l'histoire avec l'hydre, qui est la suivante. Il faut lui couper la tête, et en fait, il y en a d'autres qui repoussent, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il ait la flemme. C'est globalement ce qui se passe avec l'hydre. Il n'y a pas de subtilité où il faut arrêter de le taper ou quoi que ce soit, non, c'est... Il faut qu'il ait trop de tête. Et que, comment je monte sur le dos de l'hydre? Il n'y a pas la commande. Ah? Oh putain, merci. Arrière! Bon. Ah voilà, là on le reconnaît bien.
L'avantage c'est qu'il y a tellement de têtes, ça fait tant de hitbox. Bon là, on va voir lui, c'est bon. Merde. Ouais, on y est presque. En plus je suis soigné, mais merci Donald, le sang de la veine. On peut terminer comme ça, je pense. Et c'est terminé. Merci. Je vous ai laissé tomber. Je ne sers à rien. Ne t'en fais pas. Même un dieu serait épuisé. Elle a raison. Prends le temps de te reposer. Il n'y aura plus de combat pendant un moment, de toute façon. Ne vous inquiétez pas pour Supermal. Je veillerai sur lui. Sora, Donald, Dingo... Je vous suis très reconnaissante. Pas de problème! Préviens-nous si Hadès et les Sans-Cœurs se manifestent! On se chargera d'eux! Depuis quand êtes-vous des héros? On te racontera ça une autre fois. On doit y aller. D'accord. Revenez comme vous voulez. J'espère que tu seras bientôt remis, Hercule! Ouais... Prenez soin de vous, les gars. Restez plus longtemps la prochaine fois. On a de l'entraînement à rattraper. Bon, cette fois, on y va. Oh, j'ai failli oublier. La pierre de l'Olympe. Tu peux me dire où sont passés les autres? Mystère absolu. Ils devaient avoir mieux à faire. Mieux à faire? Tu insinues qu'il y a plus important que préparer mon retour dans ce monde. Il y a cette organisation 13 qui est toujours dans nos pattes. Laissons ces fous mener leurs petites intrigues. Et n'oublie pas le porteur de la Keyblade. Il nous a bien cassé les pieds lui aussi. Ah oui, lui. Je crois que tu ferais mieux de me raconter tout ce qui s'est passé durant mon absence. Oh, Je me demande où j'ai bien pu mettre ce vieil album. Relmini, c'est catastrophique. Il se passe quelque chose dans le rôle de la pierre angulaire. Il y a plein d'énormes ronces partout. Roi Mickey, si seulement vous pouviez m'entendre, le château est en danger, nous devons intervenir au plus vite. Donald ? Dingo ?